les loges ne ressemblent pas à des clubs-services. Normalement, on n'est pas là pour faire des affaires. Mais tous les hebdos, tous les ans, nous sortent le même marronnier, la franc-maçonnerie. Or, ce que l'on voit, ce sont des personnes qui font des affaires ensemble, plus ou moins honnêtes, etc. Voilà, il y a ça aussi. Si, ça existe. Non, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Ça m'insupporte. Oui, bien sûr, ça m'insupporte. Ça m'insupporte parce que c'est 0,001% des frères et des sœurs, ça. Oui, précisons qu'en termes journalistiques, un marronnier, c'est quelque chose qui revient effectivement régulièrement quand on n'a rien d'autre à dire. Voilà, et ben c'est ça. C'est ça. C'est et puis il y a le côté, Marie-Hélène, je pense aussi le secret qui allèche le lecteur. Hein. Oui, voilà. Le secret, il y a des choses sexuelles derrière. On va en parler des choses sexuelles. Sectaire et sexuel, c'est possible, mais les deux vont bien ensemble. Comment ? Sectaire et sexuel. Sectaire et sexuel. Mais à mon avis, il y a aussi. Ça va bien ensemble. Hein. Oui.